Yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. Yep à tous, et nous voici pour vous présenter le nouvel event qui va se dérouler du 4 au 25 mai, qui s'appelle donc Yo-ho-ho, et une bouteille de rhum. Vous verrez qu'au fur et à mesure de vos pérégrinations, vous allez looter des bouteilles de rhum du pirate, que vous pourrez consommer instantanément, directement. Ça va augmenter vos points d'attaque de 3, et votre limite de poids de 20 LT, donc livres, pendant 2 heures. Donc c'est un effet qui va durer pendant 2 heures. Et autre chose que vous pouvez faire, c'est échanger ces bouteilles de rhum à Chili, dans les îles de Kult, qui est une toute nouvelle zone de cette mise à jour, qui est infestée de pirates, et en les échangeant, vous allez avoir des objets de skin. Donc pour 100 bouteilles de rhum, vous allez avoir un étendard de pirates. Pour 200 bouteilles de rhum, un bandeau de pirates. Et pour 300 bouteilles, un chapeau de pirates. Vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de limite de niveau. Dès que vous allez tuer des mobs, vous avez une chance de looter ces bouteilles de rhum de pirates. Alors moi, pour ma part, en 10 minutes, j'en ai eu 3, je vous dis franchement. Donc je me dis que en boire une pour augmenter mes points d'attaque, eh bien pourquoi pas. Et ça va augmenter mon poids, ça va me permettre d'aller farmer un petit peu plus loin, un petit peu plus longtemps. Donc, je vais le faire. Donc, voilà pour ce premier event qui est l'île. Donc, le yo-ho-ho avec les bouteilles de rhum, une bouteille à la mer, comme vous voulez. Voilà pour cet event. Il y en a d'autres. Je suis en train de regarder un petit peu pour le préparer. Il y en a un pour la fête des mers. Il y a des nouvelles îles. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, sur ce, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire. Au revoir.